Pour apaiser la douleur du travail et de l'accouchement, environ 2 femmes sur 3 qui accouchent à la clinique Saint-Pierre le font sous péridurale. Dans les 2 mois qui précèdent le terme, les futures mamans se rendent en consultation chez un des anesthésistes de la clinique pour effectuer une mise au point sur le déroulement de la grossesse et sur l'état général de celle-ci. L'anesthésiste va examiner le dossier médical et effectuer un examen clinique. Cette grossesse se passe bien au point de vue glycémie, donc il n'y a pas de problème de diabète chez vous ? Non. La péridurale, c'est une technique d'analgésie qui permet de surmonter la douleur du travail et de l'accouchement. Mais c'est une arme parmi d'autres armes qui ont cette même finalité. La péridurale est un acte médical qui consiste à injecter dans la région lombaire des antalgiques, c'est-à-dire des antidouleurs. Super, aucun problème hein, chez vous. Cette procédure n'est pas obligatoire, elle reste le choix de la future maman. C'est un acte de confort qui permet l'arrivée de l'enfant dans un environnement serein. La péridurale peut d'ailleurs être indiquée dans certains cas particuliers. Notamment dans le cas des inductions par exemple, des grossesses jumellaires, quand il y a un certain degré d'hypertension gravidique et des choses comme ça. Il y a aussi des situations où elle est contre-indiquée. Une pathologie lombaire qui soit assez lourde, donc la présence de matériel, une infection locale ou un gros eczéma de la peau étendu au niveau du dos par exemple. Et alors un tatouage, mais enfin rares sont les cas de tatouage qui contre-indique réellement la péridurale parce qu'on arrive toujours à trouver un petit endroit de peau qui soit indemne de pigments. La consultation est le lieu et le moment des questions. Est-ce qu'il y a un risque pour l'enfant ? Même si aucun acte médical n'est jamais sans risque, la péridurale présente un taux de succès élevé. Ses effets secondaires sont bénins, tant pour le bébé que pour la maman. Les complications graves sont exceptionnelles. Entre la 37e et la 42e semaine, le travail se déclenche. Aïe. C'est vraiment mal là. La future maman ressent des contractions régulières et douloureuses. Je pense que c'est le moment. Alors, c'est le grand jour. Pas celui-là. Oui, je peux prendre celui-là aussi alors. Pour entrer dans l'institution, on peut soit passer par les urgences, soit se rendre directement à la salle de naissance. La sage-femme accueille les futurs parents. Bonjour. 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 Pour être certain que le travail a bien démarré, il faut que les contractions soient régulières et fortes pour influencer l'ouverture du col utérin. La sage-femme place le monitoring qui permet de surveiller et d'enregistrer d'une part le rythme cardiaque du bébé et d'autre part les contractions utérines. La sage-femme va aussi examiner la maman pour voir où en est l'ouverture du col utérin. Donc ici je vous ai examiné, vous avez 2-3 cm. Ça va, donc ça commence bien à bouger. La douleur est propre à chaque femme et c'est vrai que même chez une même femme, d'un accouchement à l'autre, elle ne va pas forcément le vivre de la même façon. Ce qu'on peut faire avant de mettre la péridurale, c'est d'essayer de faire un petit peu de ballon qu'on utilise beaucoup pour faire bouger le bassin, pour aider le bébé à s'engager, donc ça plutôt en début de travail, quand elle supporte encore assez bien les contractions. Oui. Par après, on peut aussi utiliser le bain. Qui permet de dilater le col de l'utérus pour faire avancer le travail aussi. Et d'une part, avec la chaleur de l'eau, ça soulage quelque part les tensions que la maman a. Le gynécologue a été prévenu de l'entrée de sa patiente au bloc d'accouchement. Les contractions sont déjà bien efficaces, donc oui. C'est bien, ça fait pas trop mal. On va appeler l'anesthésiste, je pense qu'il va venir assez rapidement pour mettre la péridurale. Donc le principe de la péridurale, c'est de proposer d'endormir la partie inférieure du corps à partir du nombril jusqu'au pied. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va injecter du produit anesthésique local au niveau d'un espace qui s'appelle l'espace péridural. C'est pour ça qu'on appelle ça une péridurale. La pose de la péridurale en pratique, il s'agit d'atteindre l'espace péridural en passant entre la vertèbre L2 et L3 ou L3 et L4. Et une fois qu'on a atteint l'espace péridural, on enlève le guide et on place le cathéter dans l'espace péridural. On surveille les paramètres de la future maman. En effet, des baisses de tension pourront survenir après l'injection d'analgésiques locaux dans le cathéter de la péridurale. L'avantage de poser une péridurale avant d'accoucher, c'est qu'en cas de césarienne éventuelle, ce qui peut toujours arriver, on peut décider d'utiliser la péridurale pour pratiquer la césarienne dans les meilleures conditions. L'anesthésiste désinfecte le dos et repère un bon espace entre 2 vertèbres lombaires de la maman, qui peut être soit couchée sur le côté, soit comme ici, assise. Et là, vous sentez mes doigts juste ici, vous essayez de pousser contre mes doigts en faisant le dos rond. Voilà, magnifique. Elle va d'abord procéder à une anesthésie locale de la peau et du derme. Elle introduit ensuite l'aiguille de péridurale entre les vertèbres repérées. Une fois l'extrémité de l'aiguille parvenue au niveau de l'espace péridural, le cathéter est introduit dans l'aiguille qui est creuse.
la future maman peut ressentir comme une petite décharge au moment de la montée du cathéter dans l'espace, mais elle ne persiste généralement pas. Ensuite, le médecin retire l'aiguille tout en maintenant le cathéter. Un simple pansement permet le bon maintien du cathéter en place pendant toute la durée du travail. Le produit anesthésique local est ensuite injecté une première fois par l'anesthésiste. Généralement, une pompe préprogrammée sera branchée sur le cathéter qui va autoriser la sage-femme à réinjecter du médicament environ toutes les heures en fonction de l'intensité de la douleur. L'injection des calmants peut susciter de l'engourdissement des jambes, des tremblements, des chatouillements. Rebonjour mesdames. Ah ben rebonjour docteur. Alors comment ça va? Mais ça va mieux. Ça va mieux, vous sentez déjà l'effet de la péridurale? Allez, mais on se voit de toute façon tout à l'heure. Ben oui, oui, oui. Pour un grand moment. Oui. Voilà, au revoir. Au revoir, merci. Bonne soirée. Bébé. Oh. Voilà, c'est des gros cadeaux.